Sacrée agression, putain. Bref, la bizarre, je vais parler de cette histoire parce que vous allez me saouler et je suis obligé d'en parler parce que Geoffrey veut tout. Il s'est passé quoi hier? Bref, donc hier j'étais chez Polska vers minuit, 1h parce que je devais charger mon téléphone puisqu'il n'y a plus de prise dans ma maison. Bref, j'étais chez Polska hier vers minuit, 1h et à un moment on est sorti parce qu'on attendait chauffeur Uber, tu vois. Parce qu'avec le corona, tout ça, il laisse devant la porte et nous, on avait trop peur que quelqu'un prenne. T'as vu, on mange, car moi j'avais faim et je voulais pas que quelqu'un prenne la graille. Du coup, on attendait devant la maison et tout. Et en attendant, bah, on est tombé sur d'autres livreurs. À défaut de tomber sur les livreurs Uber Eats, bah, on est tombé sur des agresseurs. Putain, il n'y a pas de blague à faire. Putain, je suis un gros flopper à tête de merde, j'ai pas trouvé de jeu de mots. Attendez, je recommence. Donc, il y a trois mecs qui sont arrivés comme ça. Déjà, j'ai vu, ils étaient trois. En fait, je vais vous expliquer. Moi, j'aime bien prendre des photos avec des petits Brandon, des petits Xavier. J'aime trop tes lives et tes nuits. Tu vois, ils sont gentils, ils sont inoffensifs. Mais quand je vois des Moussa, Mehdi et tout, là, je commence déjà à me gratter la tête. Genre, bah, au pire, on peut prendre une photo une autre fois. Genre, Bref, je me sens pas en sécurité quand on me demande des photos et que je vois des. Je suis une salope, je sais pas me battre. Combien de fois je dois vous le dire? Ok, écoutez bien, je suis une salope, je sais pas me battre. Vous allez dire, moi je les vois arriver à 3 pour prendre une photo. Tant pis, frère, je me suis dit, c'est des abonnés. Genre, moi j'ai jamais refusé de photos. Parce que moi je vous aime. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Bref, d'ailleurs, moi j'ai jamais refusé de photos. C'est-à-dire, dès qu'on me demandait tout une photo, je dis oui, ils viennent et tout pour prendre une photo. Et en fait, là, déjà, j'aurais dû comprendre. Déjà, là, j'aurais dû comprendre que c'était bizarre. Parce que quand il m'a demandé la photo, il m'a pas dit, tiens, mon téléphone. Il m'a dit, fais un snap avec ton téléphone. Pourquoi mon téléphone? Attendez, attends. C'est qui me demande de faire un snap avec lui, mais pas avec son téléphone à lui, avec mon téléphone à moi. Mais moi, je vais pas garder de photo avec toi, garçon. Pourquoi je vais garder une photo avec toi? J'en ai rien à foutre. Du coup, moi, je lui dis, pourquoi? Il me dit, non, comme ça, on met dans ta story. Ah, vas-y, en fait, nous, il faut comprendre, nous, les influenceurs, quand vous demandez d'être dans notre story et tout, on vous met pas, d'accord? Ça veut dire, faut arrêter de demander aux influenceurs, fais-moi une pub ou mets-moi dans ta story et tout, parce que dès que tu pars, on supprime. Ah, vas-y, ah, avec le frérot et tout, dès que tu pars, putain, on supprime. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que moi, je me suis dit, ok, je vais faire un snap avec eux, et dès que je me casse, je le supprime. Et là, je sors le snap, et là, il y a un frérot qui sort une gazeuse. Psh, trou noir. Quand je vous dis que ça fait mal. Je parle au petit Brasco là de 2004 qui veut être des voyous. Je vous jure, n'allez pas avec la police pour ça. Parce que je vous jure que. N'allez pas confronter les forces de l'ordre. Je vous jure que leur bombe lacrymogène, ça fait mal. Ça brûle. La tête de la mère, ça brûle. Vous avez jamais vu ça. Je reçois le coup de la gazeuse, genre. Et là, j'arrive plus. Enfin, genre au début, tu sens rien. Et puis après, ça monte petit à petit. C'est quand ça a brûlé dans ton nez et tout. On dirait, t'as mangé, tu sais, un plat béninois ou quoi, tu sais. Genre les plats. Les Marocains, là, c'est quoi la harissa? Harissa, je crois. Genre les tontons marocains, je crois, ils mettent harissa mayonnaise et tout, un truc de blédard comme ça. Harissa, ça pique! Ça pique, frère, lacrymogène. Frère, mon nez, ma bouche, mes yeux, ça pique! Et là, je me dis dans ma tête, donc là, je vais me faire reculer. Déjà là, je voyais plus rien, j'avais les yeux fermés et tout. Je me dis là, je vais me faire tabasser. Et puis, je sens pas de coup. Genre, en fait, j'ai senti le coup de lacrymogène, mais je sens pas de paix. Je me dis, attends, peut-être qu'ils m'ont tellement gazé que je sens rien. Et puis quand j'ouvre un peu les yeux, je vois ils sont plus là, ils ont couru, je me dis Mais attends, mais victoire du gars, ils m'ont rien fait. En gros, ils étaient trois. Ils sont venus, ils m'ont mis un coup d'acrymogène et ils ont couru. Je me dis, mais attends, mais on a affaire au FC Clown, voilà. Allez vous asseoir, mais bienvenue au FC Clown, c'est exactement compris le but de cette agression. Parce que c'est même pas une agression, vous arrêtez de dire agression. Ils ont vraiment mis un coup de gaz, ils ont couru à trois, genre ils sont venus, ils ont fait Kinda Saba. Oh, c'est bon là, c'est bon là. Je veux dire, rendez-vous compte. On a affaire au président du FC Clown, ça c'est grave. Vous venez à 3 sur un mec qui sait pas, je sais pas me taper. C'est-à-dire même un demi-homme, il me fracasse. Faut se dire ça. Faut se dire qu'il n'y avait aucune menace. Que ce soit moi ou Polska, on allait rien faire. Je sais pas pourquoi vous êtes venu à 3 pour courir. Fallait pas courir, fallait rester, j'allais rien faire. Vous vous rendez pas compte en fait. Je ne pouvais rien faire. Je sais pas me taper. C'est-à-dire que j'étais très content quand j'ai vu que c'était qu'un coup de gaz. Je me suis dit, ah, encore une victoire pour Kida Sama. Parce que finalement, j'ai regardé dans mes poches, j'avais encore mon argent. Regardez mon téléphone, je l'ai encore. Et mes vues Snap, elles vont doubler, voire tripler. C'est-à-dire, ils m'ont fait de la promo sans dégâts. C'est de la pub qu'ils m'ont fait. En fait, j'ai fait un placement de produit. En fait, je crois que cette bagarre, c'est un placement de produit. Cette agression, c'est un placement de produit. Parce qu'en ça, ils m'ont mis en bénéf. Je n'ai rien perdu. Genre, regardez mon visage. Malheureusement, pour tous les gens qui auraient aimé voir Kinda Sama se faire tabasser, Kinda Sama dans la société. Et ben alors, Geoffrey, pourquoi tu boudes? Le visage est intact. C'est encore une défaite. Pour le FC Clown, une victoire pour le boss.
C'est une victoire, encore une fois. Non, vous inquiétez pas, merci la misère pour vos messages, surtout les meufs. Là, je suis très content parce que les meufs, elles m'envoient des messages. Oh, mon petit chat, il est arrivé quoi? Et tout. Non, c'est rien. C'est des histoires de rue, tu vois. J'ai pas envie de. C'est moi, je parle pas.